Alors faire des remarques sur le parfum de quelqu'un pour lui dire « Oh là là, qu'est-ce que tu sens bon ?» Je trouve ça adorable, j'adore le dire, j'adore qu'on me le dise. Mais alors dire à quelqu'un « Ton parfum, c'est pas supportable, qu'est-ce que ça sent mauvais, mais tu l'as acheté où ? Ça fait parfum de mauvaise qualité, c'est immonde ?» Non, non, vous le dites pas. Alors évidemment, le problème, c'est quand on va au cinéma avec cette personne et que pendant tout le film, même si c'est passionnant, on ne sent que ça, cette odeur infernale. Donc non, il m'est arrivé pourtant de dire à une amie un jour « Ton parfum à la figue, je peux pas, c'est insupportable, ça me donne mal au cœur. » Et cette amie, très sympathique, m'a entendue et a changé de parfum. En tous les cas, quand elle me voit, elle ne le porte pas, ce que je trouve plutôt sympathique. Donc vous voyez, c'est quelqu'un de charmant et qui a un peu de tenue. Se reparfumer dans la journée, je trouve ça pas mal. Par exemple, dans son tiroir de bureau, on a un petit peu de parfum. Ça peut être rassurant, le parfum. Les odeurs, comme vous le savez, c'est des souvenirs, mais c'est aussi une manière de se sentir plus à l'aise, plus propre même, plus net. Personnellement, je me reparfume assez souvent dans la journée. Je trouve ça agréable pour moi et pour les autres. Mais encore une fois, je n'en mets pas trop. Un peu de tenue. Suggérer à quelqu'un de mettre du parfum, c'est un peu lui suggérer qu'il sent pas très bon. Et comme vous le savez, dire à quelqu'un qu'il sent pas très bon, c'est vraiment terrible, c'est délicat, c'est très compliqué. Donc non, moi j'ai jamais pu dire à quelqu'un « mets-toi un peu de parfum » parce que la personne va vite comprendre ce que ça veut dire. Donc essayez de pas dire ce genre de choses, un peu de tenue. On ne peut pas offrir de parfum, je l'ai répété 150 fois autour de moi. Comment vous pouvez savoir quel parfum ira à la personne à qui vous l'offrez? Surtout comme on sait que les peaux sont toutes différentes, qu'elles ne supportent pas le parfum pareil les uns et les autres. Non, on n'offre pas de parfum. Le parfum, on ne peut l'offrir que si on sait quel parfum porte la personne depuis des années et si on sait qu'elle n'en change pas, un peu de tenue.